tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler d'une petite machine, c'est celle-ci qui se pose là et vous allez me dire à quoi te sert cet engin. Voilà, alors avec ce bol en fait cet engin me sert à nettoyer mes pinceaux, alors tous mes pinceaux de maquillage hein. Donc je cherchais une solution pour nettoyer mes pinceaux et qu'ils sèchent beaucoup plus rapidement et que je puisse les utiliser aussi plus rapidement. Donc j'ai trouvé cet appareil sur AliExpress. Ça m'a coûté à peu près entre 13 et 15 euros, voilà, guère plus cher. Et en fait, je suis assez contente de cet appareil. Alors tout d'abord, je vais vous faire une petite démo de la machine et on se retrouve après. Alors j'ai préparé donc mon eau savonneuse, j'ai tout simplement mis du shampoing avec de l'eau. Ensuite, ça c'est le pinceau donc de chez Real Techniques, mon pinceau blush qui est bien sale. Voilà, parce que vous voyez, il est bien rose en tout cas. Je vais donc choisir un embout adapté à sa taille. Alors, celui-ci, il est trop grand. Celui-là trop grand, celui-là trop petit, mais on va forcer puisqu'en fait celui-là ça ne tiendra pas du tout. Donc on prend le diamètre adéquat à son pinceau, on l'enfonce bien, donc on raccorde la petite machine et ensuite on trempe son pinceau dans le bol. Alors moi d'abord j'effectue un petit coup comme ça, je tapote et après je tiens mon bol, sinon ça bouge. Alors on va le prendre comme ça, sinon vous verrez rien. Voilà. Alors faut pas appuyer trop fort, sinon le pinceau ne bouge, ne tourne plus. Donc j'ai même rincé mon pinceau à l'eau. Et sur les gros pinceaux, en fait, je préfère essorer en dehors du bol. Voilà, alors normalement on compte 30 secondes, mais franchement il faut un peu plus pour les gros pinceaux. Voilà, donc là mon pinceau est propre et sec. On va essayer maintenant avec un pinceau plat, comme ça. Je mouille le pinceau et... Donc maintenant mon pinceau est rincé et là je sèche. Voilà. Et c'est si facile que même un enfant peut le faire. Écarte tes bras, loulou. Voilà, donc vous avez pu voir que c'est hyper simple en fait pour l'utiliser. Vous avez tous les petits supports là à brancher sur cette machine là et voilà, j'en suis vraiment super contente, j'ai gagné en temps de nettoyage et surtout au niveau du séchage. Le seul bémol on va dire c'est pour les pinceaux plats. Voilà, ça les lave, il n'y a pas de souci hein, puisqu'ils trempent en fait dans la solution mousseuse, donc ils sont bien lavés. Par contre au niveau du séchage, non, c'est pas efficace. Moi, j'en suis vraiment très très contente pour tous mes pinceaux ronds. Là, sur les gros pinceaux poudre, comme ça, ou celui-ci, voilà, c'est mes plus gros pinceaux. Et c'est vrai que c'est formidable, hein. Franchement, je les lave, je les sèche, je peux les utiliser tout de suite après, c'est le top. Donc, moi, je vous recommande franchement ce type d'appareil. Alors... il en existe un, je ne connais pas en fait, je ne me rappelle pas du tout le nom qu'il a, le modèle original, hein, parce que bien évidemment sur AliExpress c'est une copie, mais il fonctionne très bien pour le prix, franchement j'en suis contente. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'en fait il ne se recharge pas, c'est une machine à pile, et elle consomme quand même un petit peu. Bon, je l'ai utilisé plusieurs fois avant de changer les piles quand même, mais voilà, c'est juste, il faudrait qu'il soit rechargeable et là ce serait le top du top. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette petite machine.
Voilà, elle s'adapte vraiment très très bien à tous mes pinceaux, que ce soit des pinceaux d'AliExpress, des pinceaux de chez Real Techniques, des pinceaux de chez Sephora, de Make Up Forever. Franchement, ça s'adapte sur tout type de modèle. Et voilà, je pense que c'est une bonne petite affaire à faire si vous cherchez un moyen de nettoyer vos pinceaux et qu'ils sèchent très rapidement. C'est vrai que ça évite aussi qu'il y ait des moisissures ou que le pinceau en lui-même s'abîme. Parce que quand l'eau elle stagne à l'intérieur, c'est franchement pas l'idéal et ça abîme les pinceaux. On se retrouve très très vite pour une autre vidéo, puisque j'ai fait quelques commandes sur Make Up Revolution. Et je voulais vous présenter tout ça et vous en parler un petit peu plus en détail. Voilà, donc à très vite. Ciao!